allongé sur le dos. Autour de moi, des stèles, des colonnes, des vitraux. Drapé de blanc, je dois reprendre le flambeau. Première étape sur le chemin des rites ancestraux. La foule se presse pour accueillir la bonne nouvelle. Ils implorent l'ange gardien de me garder sous son aile. Leur venue, tous réunis dans cette chapelle. On sonne les cloches, l'arrivée d'un nouveau fidèle. A coulé sur le front, je suis entré sous sa divine protection. Je n'étais alors encore qu'un nourrisson. Si j'avais pu choisir, aurais-je pris cette décision? Un tronc de larmes, un tronc. L'histoire m'a ouvert les yeux sur la réalité. Mes croyances ont alors profondément changé. Sortilège, la légende a fini par diviser le monde. Plonger les païens dans le royaume de l'ombre. Nous sommes les héritiers d'un passé bien sombre qui enfouit la vertu loin sous les décombres. Un tronc de l'âme, un tronc de l'âme. Un tronc de l'âme. Et dans bien des lieux, la guerre sainte fait rage. Mais il paraît que c'est la main du Dieu qui dirige ces carnages. Ainsi on a substitué la conquête au partage et effacé de nos mémoires la parole des sages. Je n'ai plus besoin de me répondre de qui que ce soit pour croire en nous, en l'amour, avoir foi en toutes ces choses que l'on ne contrôle pas, mais qui pourtant volent à notre secours parfois. Il y a tant de portes à pousser, tant de mystères à percer, tant de portes à pousser. Le chemin est long pour trouver la clé. Tant de portes à pousser, tant de mystères à percer, tant de portes à pousser. Le chemin est long.